Parfois, le tigre est obligé de griffer la tigresse. Ensuite, elle comprend de quoi il s'agit. Laissez-moi foutre. Vous ai-je donné la permission de parler, oui ou non? Puis-je, s'il vous plaît, avoir votre permission? Très bien. Vous commencez à comprendre. Vous pouvez me parler maintenant si vous le désirez. Je suis une femme mariée. Je suis mariée depuis 6 ans. Mon mari est un homme honnête et travailleur. Nous avons une maison à nous, qui n'est pas entièrement finie de payer. Notre situation n'est pas ce qu'on appelle aisée, loin de là. Nous avons 2 enfants, 2 petites filles. Et vous pouvez demander à n'importe qui dans le quartier où nous habitons... Ça suffit! Arrêtez ce bruit! Je n'aime pas les femmes bavardes! Vous avez le droit de pleurer, mais ne bavardez pas! Est-ce clair? Une femme qui laisse ses enfants pour aller chercher l'aventure la nuit est une putain. Et elle mérite ipso facto ce qui lui arrive. Mais je ne... Qu'est-ce que c'est? Puis-je, s'il vous plaît, dire quelque chose? Très bien. Allez-y. Je ne cherche pas d'aventure nocturne. Pas du tout. Passez-la moi. Jolie. Tout à fait jolie. Maintenant, asseyez-vous sur cette chaise. Allez! Pensez que j'allais entendre la sagesse des siècles, les prophètes parlant par l'intermédiaire du cerveau intelligent et raffiné d'un lettré, d'un savant. Il y avait un jeune type debout sur une estrade qui louchait. Il avait une main dans la poche et il agitait l'autre en l'air comme s'il conduisait un orchestre. Messieurs et mesdames, la question de l'emballage d'un article ne peut être circonscrite par quelques règles simples. Nous devons considérer ici, non seulement l'article même que l'on désire emballer, mais les conditions dans lesquelles il doit être vendu. Les coûts afférents, l'emballage en usage sur le marché, créant la motivation de l'acheteur et la satisfaction du fabricant. Respectant la réglementation fédérale. Je me suis mis à rire comme un fou. Je n'ai pas pu m'en empêcher. J'ai dû me cacher la figure dans mon mouchoir et je suis sorti en titubant. Mes études supérieures n'ont pas été plus loin. Vous voulez dire que vous n'avez pas de diplôme? Vous ai-je dit que j'en avais? Non, bien sûr que non. Mais votre façon de parler, votre vocabulaire, j'aurais juré que... Les études supérieures sont pour les imbéciles, pour les moutons bêlants. J'ai appris tout seul tout ce que je sais. Buenas tardes, señor. ¿Cómo está, Dede? ¿Esta tarde? Estoy muy bien, gracias. ¿Cómo está su hermana? ¿Cómo está su hermana? ¿Cómo está su hermano? Tiene dolor de cabeza. ¿Es muy desagradable? Excelente. Tout cela était excellent.
Marina. Señor. Señorita. ¿Cómo se llama, señor? Me llamo Benjamin. ¿Y usted? Me llamo Gloria. ¿Cómo está usted, señor? Muy bien, muchas gracias. ¿Y usted? Muchas gracias. Señorita. Señor. Señorita. Thank you.